Aujourd'hui, pour mon journal de créativité, j'avais envie de vous montrer un tour de magie. Attendez, vous allez voir. Bon, pour être honnête, c'est la première fois que j'essaye, donc je suis même pas sûre que ça marche, mais on verra. J'ai commencé par peindre toute la page de mon carnet avec une peinture orange. Si vous me suivez, vous savez que j'adore cette couleur. Oh là là, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une tache de peinture sur la page. Hier, j'ai utilisé du violet sur l'autre page et je sais pas comment elle s'est retrouvée sur cette page-ci. Mais bon, c'est pas très grave parce que je vais recouvrir cette page de orange. Et pour ce que je vais faire après, honnêtement, je pense pas que ça se verra. Une fois que j'ai peint ma page en orange, j'ai bien laissé sécher et j'ai passé mon produit magique sur l'ensemble de la feuille. Il faut en mettre en couche épaisse et laisser sécher environ 4 heures. Une fois sec, j'ai peint toute la feuille en bleu et ensuite j'ai laissé la magie opérer. La vidéo est en accéléré parce que ça prend environ 10 minutes pour que la peinture craquelle bien. Bon, maintenant je peux enfin vous révéler mon secret. En fait, j'ai utilisé un médium spécial qui donne un effet craquelé aux peintures. Je suis vraiment trop contente que ça.